Mais en Belgique, ils ont pas assez de coups pour un VPN. Eh, tu dis pas bonjour, toi. Eh, le trisanguin, là. Tu m'entends? Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Tu veux faire quoi? C'est le premier gosse qui a été fait à 3 personnes. Du coup, on sait pas c'est la semence de qui au final c'est. Oh, nice. Oh, j'avo la gitana. Valentin? Ouais, allô? Allô, ça va, Valentin? Ça va, tranquille, et toi? Tranquille, on avait Grasta et Nakase, tu les connais? Pas besoin de ouais, te ouais. Présenter. Attends, ouais, ouais. La nucléaire, on est en demi-hardcore. Ouais. Ok, pote, let's go. T'inquiète. Donc, tu bloques le spawn, gardien? <à 3 rire> Non, non. C'est un ex-baby, lui, tu le sais, ça. Ah, là, je savais depuis pas. Depuis qu'il a quitté la baby, il est devenu encore meilleur. Ah bah ça c'est... Ah, ah, non. Moi je dis rien, moi je dis rien. Arrête, arrête de me troller mon gars, je vais faire un live. 5, 4, 3... Pourquoi j'ai 3 barres là? Ah mais tout le monde a 3 barres. Pas de soucis. Les amis, je sais pas pourquoi mais je sens qu'on... On va fumer un keuf. Allez. Voilà, comme ça rage ici... Tu peux commander mon livre hein, sur internet. Ok, donc monsieur s'appelle PGM Jules. Où est la crédibilité? Bah il est dans sa paranoïa en même temps. Allez, à plus. Ah mais la co elle pue le vagin de rousse là. Oh c'est sale. C'est sale. Tu m'as fait rire, t'as pas le droit. Attends, je vais muter ces gros que c'est ça avec nous. Il est sale ce gars, on l'entendait. Le vagin de rousse, putain. Vas-y ma sœur, elle est rousse en foiré. Ah ouais, désolé pour elle, mais. Faudrait que j'aille sentir vite fait voir si t'as raison. Tu vas lui faire un gosse, vu que c'est ton rêve. Non, mais non, mais non, mais pourquoi ça prend pas, pote, toi aussi? Bah oui, ça prend pas. Mais ouais, ça prend pas, ouais. Paul, tu es là? Non, désolé. Putain. Oh. Eh, hey, Grenier, il est plus aussi bon qu'avant. Hein. Il commence à avoir des problèmes aux yeux, tout ça, tout ça. Bah, y'a pas qu'aux yeux, mon ami. Mais en Belgique, ils ont pas assez de coups pour un VPN. Eh, hey, tu dis pas bonjour, toi. Eh, le trisanguin, là. Tu m'entends? Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Tu veux faire quoi? C'est le premier gosse qui a été fait à 3 personnes. Du coup, on sait pas c'est la semence de qui au final c'est. Non, je déconne, c'est pas vrai. Grenier, je vais descendre en Belgique pour t'assassiner. Tu vas rien faire du tout, mon pote. Tu vas venir, tu vas baisser les yeux, tu vas me faire à manger, tu m'entends? Bah, tu m'étonnes, ils sont 12 000 dans son quartier, tu sais. Déjà, faut de... c'est pas où est Charlie, c'est où est Grony, tu sais. C'est pas très Grony tout ça, hein? C'est pas très Grenal. Ça va sinon? Ah, vas-y, je quitte, nique sa mère, wesh. Tiens, c'est. Ah, mais j'avoue. Wesh, Eh, Rasta, parle pas la bouche pleine, s'il te plaît. Voilà, je vais jouer maintenant dans un serveur européen, pote. Le plus sang, je te le fais ici, hein, en rigolant et tout, tu vois. C'est des trucs que toi, t'arriverais pas à faire en te concentrant à fond, tu vois. C'est drôle de se venger, hein, c'est si. En fait, je suis quand même en deux de ratio, là, dans cette game. Hein. C'est ça que je vois, franchement. Moi, je dis respect. J'ai raté ma chance. On joue à quoi, là? Vous jouez à BO2, non? On joue à BO2, ouais. On joue à fermer notre gueule, tu veux pas essayer? Il a commencé à me casser les couilles là. Je te jure que tu le mérites, mon gars, je suis désolé de te dire. Il a commencé à me casser les couilles. Que je donne si rapidement raison à Rasta, mais c'est pas pour le coup. Hein? Ah, les mecs, ils m'invitent dans une cour, ils veulent que ma gueule, vas-y. Avec tellement de force. Mec, c'est parce qu'on te kiffe. Ta gueule, toi, on ne parle pas. J'aime bien quand il fait le tag. C'est mignon. Ça lui va pas du tout. Vas-y, ils ont trop de co, putain. Bon, où tu sors? Où je te sors, hein? Bien joué. C'est pas facile. Ah voilà, j'avais plus de mun. Au pire des moments. Ça va, t'as mué, c'est cool. Non mais j'en ai marre, j'en ai marre. J'en ai marre. Quand y'en a marre, la bougnoulie, c'est un concept, hein. Tu te souviens de cette fric là? Y'en a marre, y'a mon braquemar, ouais, je me souviens.
Draxar le pauvre, il était innocent et pur lorsque je te l'ai présenté, Rasta. Il fou, il est mort maintenant, c'est fini, il était tous les soirs sur mon stream, mec, mais c'est mort, on en a fait une machine. Sur 4 mois de stream, il est... Et vas-y, toi, explique ce que t'as fait avec ton stream, salam. Ah, hier, j'ai pété un câble et vu que je suis impulsif, j'ai désactivé ma chaîne, j'arrive pas à la réactiver. Putain, t'es vraiment une grosse merde. Ils me disent qu'elle existe pas. Mais tu sais quoi? Ah, mais je vais te rage quitte, hein. Eh, Rasta, ça m'étonne pas, t'as jamais existé, de toute façon, dans le monde. Eh non, mais je sais comment faire. J'ai envoyé un email à Twitch, chose que j'ai fait, et leur expliquer, et ils vont me la réactiver, y'a pas de soucis. Ouais, dans 2 jours. Et alors? Mec, ça me fait des vacances, c'est très bien. Hier, j'ai passé une super soirée, gros. Ouais, que ratio de 1, aïe. De 40, moi, ouais. T'as passé une super soirée, ouais. Ouais, je sais. Hier, je me suis tapé un stream, gros. Pendant au moins 45 minutes, on était 2 viewers, gros. J'ai cru que j'allais pleurer, gros. Ça m'a fait bien de rage quit, gros. Mais c'est normal, j'étais pas là, je m'étais j'avais pas jamais, jamais, j'avais jamais vécu ça, ça fait bizarre, gros. Alors je leur ai dit, bah allez tous vous faire enculer, j'ai rage quit le bordel. Et mon tu dieu, que c'était encore bon. Une fois, encore. Ouais, toi, plutôt, attends. Bah, je vas-y, allez. GG quoi? Allez, plutôt. Oh non! Oh lord! Tu l'as vu? Mais tu l'as vu cet enchaînement ou pas? Ah ouais, je l'ai. Mon pote! Ça c'est Granny 7 ça! Vous m'entendez? Gros! Je la garde! C'est Aftermath, c'est super sick de faire ça! Ah, si seulement j'avais un peu plus de réussite! Avec la type 25 toute nue, vieux. T'es quoi avec la type 25 à nu? Ouais, toute nue. Ouais, t'aimes ça être toute nue, toi. Gros, dans ta chambre. Ouais. Je suis sûr, dans ta chambre, t'aimes bien être tout nu, tu sais, puis mettre des coups dans ta porte d'entrée, tu sais. Moi, mec, mais comme Antari, en réalité, tu vois pourquoi je monte juste le haut de mon corps? Je suis toujours à poil en dessous. Je le savais. T'imagines le mec? C'est pour qu'elle respire mieux, quoi. En fait, c'est pas ça, c'est parce qu'elle me gêne. Ouais, j'avoue. En fait, moi je la pose sur ma cuisse, comme ça elle me fait moins mal, tu vois. Franchement, ils sont vraiment super nuls, hein, et j'adore. Eh, Tonio? Tonio? Oh. Tonio? Pas de shield? Tonio? Gros, les mecs ils se font en train de mourir. Je vois rien vraiment là-bas. Vas-y. Tu sais c'est quoi le pire? Ils continuent à courir sur moi. J'ai mis des gardiens, en fait, je t'explique, j'ai mis un gardien, ça fait que ça bloque les spawns. J'ai mis double gardien. Ça, c'est le top. Ça, je t'aime bien, tu vois, quand t'as un peu de cerveau comme ça. Vas-y, je te fais confiance. Tonio, je sais que tu as un skill de ouf. Dans le milieu, on t'appelle le téton rusher. Laisse tomber. On m'appelle même plus que ça. Le producteur laitier, on m'appelle. Je suis le distributeur de bifle dans le milieu. Putain, on m'appelle le distributeur de bifle dans le milieu, tu vois. Tu vois, dans le mode zombie. Tu sais, y'a les petites boissons énergisantes là. Bah, moi, je suis le distributeur de bifles. Non, mais c'est-à-dire non, que mais si tu bois un petit peu de mon, si tu bois un petit peu de mon jus, ouais, tu peux distribuer des bifles 2 fois plus rapidement que normalement. Mais... Mec, ils sont tellement nuls, je voudrais mis là, un petit chat. Là, je suis dans une zone à risque, poto, je suis dans une zone à risque, tu vois. C'est comme avec la tectonique des plaques, tu vois. Ah 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 ah. J'aime tes réponses. Et voilà, putain. Oui! Je suis entre oui. deux continents, poto, je suis en Indonésie. C'est pour ça qu'on m'appelle... C'est pour ça que dans le milieu on m'appelle le bridé, tu vois. Oh putain, là je suis en train de leur faire l'amour, mais laisse tomber, sans préliminaire, tu vois, cash. J'arrive, il a même pas le temps de dire ouf qu'il a déjà la bouche pleine. Dans le milieu, c'est comment on t'appelle, Tonio? On m'appelle le lapin, poto. Je t'ai reconnu mon nom. Il passe devant moi, ce wagon. J'ai envie de lui donner une seule tête, tu vois les plots. Tu vois le nouveau fusil à pompe là, le tromblin là, le tromblon, ouais, je sais pas comment il s'appelle. T'as pas un drone. J'ai rien gros. Mais voilà, il m'a tué l'autre, j'ai t'as rien. On m'appelle le tromblon parce que tu vois j'ai un gros canon, mais dit qu'une fois que j'ai tiré, bah ils font un rechargement qui dure une heure. Ah si t'as vu comme il joue lui là. Ah putain c'est fini. Ah ouais mes Pokémon je le savais, je te jure. Ah je les ai allaités avec le téton frère, laisse tomber.
Oh, je te jure, j'ai un téton, il est plus petit que l'autre. J'ai perdu mon lait, mais de A à Z. T'as pas le droit de faire le même nom pour des quelques mois. Tu sais que on dit que le lait de femme c'est nourrissant, mais poto, le lait d'homme, laisse tomber, ça te donne des pectoraux, pote. Ah, c'est ça qui fait un homme. Le lait d'homme, poto. Je te jure. Non, c'est pas le lait d'homme, c'est le jus de corps d'homme. Tu sais, c'est quoi le jus de corps d'homme? Ouais, le jus de corps d'homme, quoi. Voilà les amis, c'est tout pour ce zap numéro 10. Franchement, j'espère que vous avez passé un excellent moment. Moi, franchement, si vous voulez me remercier, les amis, faites péter un max de likes de dingue. Si vous en mettez plus de 3000, je serai extrêmement heureux parce que ça m'a pris vraiment du temps à le réaliser. J'espère que vous avez apprécié le petit montage et les ajouts. En tout cas, mille merci pour votre fidélité. On se retrouve très prochainement pour du lourd. Let's go, baby!